Patriotes, rassemblés pour sauver la caille. Parasol. Proposition du parti politique Parasol relative à la gestion du pays pendant et après le COVID-19 à l'occasion de la journée de 2 juillet marquant les anniversaires du parti et celui de son président fondateur Yvon Bonhomme. Le parti politique Parasol, dans le cadre normal de ses préoccupations citoyennes, déplore le fait que les personnes en Haïti les plus vulnérables au COVID-19 font partie des catégories de personnes âgées et handicapées et sont toujours les grands oubliés de nos gouvernements. Notre Premier ministre a un trou de mémoire gigantesque et naturellement, les personnes handicapées de ce pays, nomades en Sahara, potomitants de la famille haïtienne, les artisans, les paysans, les Haïtiens vivant en terre étrangère, les jeunes, les personnes âgées, tous semblant ne pas exister dans la tête de M. Jout Joseph. Juste à titre d'exemple, l'asile communal de Port-au-Prince, qui subsiste grâce à une intervention de la dernière heure de la première dame, et reçoit mensuellement une pitance de 25 000 gourdes du pouvoir central. L'hôpital Sanatorium, l'hôpital Signo, et nous en passons. La caisse d'assistance sociale CAS, qui est quasiment dysfonctionnelle depuis l'arrivée du Premier ministre, et ce dernier bloque toutes les opérations financières de cette institution, même après l'installation d'un nouveau directeur technique. Et la liste n'est pas exhaustive. Pendant les 11 années d'existence du parti politique Parasol, notre mission n'a jamais été de critiquer sans apporter notre grain de sel. Toujours fidèle à ses principes, le parti propose les solutions suivantes au gouvernement pour essayer d'endiguer la catastrophe qui, comme une épée de Damoclès, menace de tomber sur le pays. L'après-COVID-19 semble encore terrible que la pandémie. Nos propositions. 1. La mise en place d'une structure alimentaire nationale, opérationnelle à travers des banques alimentaires, entre parenthèses, Food Bank, repartie dans tout le pays au profit des personnes handicapées, des personnes âgées et d'autres appartenant aux catégories vulnérables. Les personnes vulnérables seraient identifiées et inscrites en quelque sorte avec un carnet qui leur permettrait de trouver de quoi s'alimenter gratuitement ou à un prix très bas. 2. Promouvoir au rang de direction générale la CAS, Caisse d'assistance sociale, qui aurait pour mission également la gestion des banques alimentaires. Si vous remettez banque Food Bank. 3. Élaboration d'un plan de contingence économique pouvant relancer ou encore recapitaliser les madans Sahara et les artisans. Les artisans pourraient bénéficier de l'ouverture d'une salle d'exposition permanente dans les 10 départements géographiques du pays et dans certaines communautés haïtiennes en terre étrangère. 4. La réorganisation de notre système d'asile ou encore maison de retraite avec l'ouverture d'une maison de retraite nationale dans chaque arrondissement, environ 42, et mettant à la tête de ce système un ou une directrice ou directeur général. 5. Faciliter l'accès à l'assurance santé de l'OFATMA à toutes les madans Sahara,
Tous les artisans et les agriculteurs moyennant une cotisation. 6. Un plan environnemental sérieux et la promulgation d'un décret stipulant l'état d'urgence environnementale sur toute l'étendue du territoire pour contrecarrer les actions nocives des prédateurs du droit international de l'environnement. 7. Établir un programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes, pas seulement des bourses d'études, mais encore une prise en charge complète avec des métiers à l'apprentissage court. 8. Faciliter l'accès aux prochaines élections aux personnes handicapées et leur permettre d'être représentées au Parlement avec au moins 3 sièges. 9. Concevoir le système qui permettrait aux membres de la diaspora de participer aux élections futures en tant que votants et candidats. 10. Réajustement salarial du personnel de la fonction publique, des juges, des médecins, des professeurs d'école, des professeurs d'école, des policiers et des ouvriers de la sous-traitance dans les factories. Et ces derniers, en parlant des ouvriers des sous-traitants de la factory, doivent également être rémunérés en dollars américains. Il n'est pas normal pour ouvrier factorio à travailler en américain pour l'argent américain et pour y payer une pitance en gold. 11. Mettre en réseau tous les tribunaux, les bureaux d'état civil, les sous-commissariats et commissariats de police de la République et la numérisation de tous leurs documents. 12. Un décret accordant la décharge à tous les anciens comptables de deniers publics bénéficiant d'un audit favorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et 13. Retourner à la table du dialogue, entre parenthèses, dialogue inclusif, afin de trouver un accord politique sur tous les grands points qui dominent le quotidien haïtien. Cela représente peut-être tout un programme qui devrait inspirer les pseudo-politiciens de ce pays. Mais nous, membres du parti politique Parasol, pensons que le pays, notre Haïti, a besoin de toutes les pensées positives, toutes les idées novatrices et l'action de tous les Haïtiens et Haïtiennes pour construire un avenir qui permette à nos enfants de vivre de paix, de prospérité et d'entente fraternelle. Alors, mesdames et messieurs, servez-vous. Le parti politique Parasol espère que le gouvernement prendra note aussi. Parasol s'est toujours érigé comme le porte-parole des infortunés et aujourd'hui élève encore la voix pour demander au gouvernement de prévoir et d'agir afin de dissiper ces nuages sombres qui se dessinent à l'horizon de notre paysage politique et économique. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse et protège l'Haïti que nos ancêtres nous ont légué comme héritage. Vive la démocratie. Yvon Bonhomme, président Port-au-Prince, le 2 juillet 2020. Merci. Et ce n'est pas une question de constat comme d'habitude, comme toute l'opinion
public national et international qu'on aime, que Parasol, qui érige et officiellement, qui c'est parti politique qui a défendu Pifebio, qui a défendu la population haïtienne et qui a défendu la population en général, mais en particulier les oubliés, les madame Sarah, les handicapés, les personnes handicapées, nos artisans qui c'est eux-mêmes, qui c'est potomitan, économie et PIA, donc classe moyenne, quel que soit le monde. Donc nous toujours, et nous avons un répertoire qui est très riche dans les médias, dans l'opinion. Donc c'est continuer, n'a continuer. Et je vous dis, et nous tenons à ce que nous profitions encore. Et date ça qui marque 11e anniversaire parti politique Parasol. Donc nous ne pouvons pas quitter le passé pour nous réaffirmer non. Et allégeance que nous faisons avec cause peuple haïtien, pour nous comprendre nos quatre batailles que nous avons menées pour notre pays, effectivement. Côté tout le monde, c'est monde, à côté tout le monde, vit dans le monde. D'accord, donc c'est là qu'il y a un pile par actualité là, surtout question mandat résident 2022-2021. Qui côté par rapport à ce qui est, il y a un magistrat où tout le mandat est fini, il y a un peu qui a démissionné, il y a un peu qui est capable de qui côté par rapport à ce qui est. Pour ajouter, il y a un livre qui vous recommande, nous-mêmes, c'est capable. De toutes les façons, suivant le principe idéologique Parasol, ça que nous avons défendu, et ça nous avons défendu, et yo clair au niveau de la société, et au niveau de bonne mœurs, et qui dans le code pénal, nous, qui dans la loi, nous, et qui aussi dans la charte et fondamentale parti politique Parasol. Et en ce qui a trait d'autres sujets qui, en dehors de ça, savent juridique, nous, et à travail sur ça, ou fait mention de décret qui d'ailleurs qui dans la rue que nous-mêmes, que nous appelons tout, nous tendons sur les réseaux sociaux en tant que parti politique, on voit officiel que nous évitons faire faux pas, nous ne pouvons pas le commenter et pas le commentaire de manière active dans la mesure où nous pas avons des documents dans nous et nous parler également de mandat de nos élus et pas oublier qu'on ne que nous toujours dire nous-mêmes. Et au niveau de parti politique Parasol, nous faisons allégeance uniquement avec la cause de la majorité du peuple haïtien qui joint et racine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui joint racine dans le pacte international et dans le pacte international relatif au fonctionnement des partis politiques et également qui joint racine tout. Dans les articles 19, 22, 35, si vous permettez-moi, dans la constitution mère, dans la loi mère de la République d'Haïti. Cela étant dit que nous-mêmes, et nous étions accrochés nous avec mandat, ce mandat qui visait et améliorer les conditions de vie peuple haïtien, mandat qui visait et retirer sa pauvre dans la pauvreté, mandat qui visait soulager la souffrance de monde handicapé, soulager la souffrance de monde madame Sarah. Et Mounsa, c'est ça que nous étions accrochés. Donc c'est de toute la façon, en ce qui a trait, sauver de manière nommément, et tout ça qui n'est pas dit, que, qui n'est pas dans la proposition, ça y est. Donc nous-mêmes, nous référons, nous demandons, dans point 13 là, il faut qu'il y ait un accord politique, un accord inclusif. Donc côté tout sujet tabou, tout sujet d'actualité, donc pour nous-mêmes, c'est ça que nous avons connu aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un accord politique. C'est dit au pouvoir du président Jovenel Moïse. La Haïti n'est pas une république bananière. C'est dit aussi à l'opposition. Haïti n'est pas une république bananière. D'une manière ou d'une autre, pays ça toujours gen moun, femme ou garçon qui pourrait dresser figil. Et c'est profiter occasion journée aujourd'hui qui marquait 11e anniversaire parti politique là. Pour nous dire à la population haïtienne, n'ayez pas peur, pas découragé. Parce que là, nous sommes là pour les gens qui font l'arithmétique, donc qui ont mémoire fidèle. En 1482, ça dépend du temps. En 1582, ça dépend du temps. Donc pour nous, 1789. Et de 1789 à 1804, ça dépend en pile temps. Et de 1804 à 1886, encore, donc ça prend des temps. Nous sommes un peuple qui est habitué à traverser des moments difficiles dans l'histoire. Nous, je vous dis, nous connaissons ça, nous payé. Nous avons un groupe de monde qui, effectivement, sorti pour nous faire nous payer effectivement cette question de 21 milliards de dollars de
de restitution que à un certain moment l'ancien président Aristide te réclamé. Nous toujours tout gen moun tout qui journée jodi a qui pas oublier nous un paquet qui pas veut reconnaître indépendance nous. Et tout ça qu'a réglé là. Mais nous même c'est occasion pour nous demander au-delà de tout intérêt personnel de petit groupe mesquin pour quel que soit femme ou garçon haïtien haïtienne que on en pouvoir que dans l'opposition pour nous sentir nécessité pour nous sentir la nécessité pays ça qui est la première république nègre du monde notre pays qui est à genoux à un moment en Amérique du Nord il a marché sur les noirs notre pays Haïti de fierté d'être pays de fierté qui était le premier pays qui te reconnaître l'Israël Haïti pays qui bataille dans deux jours les États-Unis d'Amérique pour fêter anniversaire 4 juillet dans les États-Unis d'Amérique en Allemagne un peu partout tout le monde ouais problème raciste et nous même venons aujourd'hui nous est ça qui a passé un peu dans le monde la France nous est ça qui a passé il a retiré des effigies il a retiré des statues qui liaient avec l'esclavage il y a même cas en Allemagne un peu partout mais malheureusement Haïti maman liberté terre de liberté nous était impuissant devant cadavre Floyd nous pas capable de dire rien nous était impuissant devant façon il a continué traiter nous en peu paria les traités de Vienne pas existé pour nous la vie meilleure pas existé pour ti marchand New York dans la rue madame Sarah yo mon handicapé yo paysan qui abandonné et nous même encore c'est le moment nous dit nous refaire encore nous réaffirmer ça c'est que nous fait allégeance avec uniquement et c'est pour ça que nous existons en tant que parti politique avec cause grande majorité. Merci. On regarde nos niveaux de nos parasols. Donc, on débat parfait sous mandat président Jovenel Moïse. Je vais t'aider, Il faut que nous nos parasols. Et parti politique parasol, comme tout le monde connaît, comme son parti politique qui a fait campagne et pour et avec président Jovenel Moïse. Et ça qui a passé là, dans le pays, la conférence de presse, aujourd'hui, pas lié avec question de mandat 2021 ou 2022, dans la mesure où et parasol, conseil juridique, que ce soit en droit international et en droit public, donc Poco Chita, effectivement, pour que nous disions pas le mot du droit. C'est pas en question de idée parce que nous on pas quête gros bagaille qu'a dit, on pas quête gros juriste qu'a parlé, on pas quête docteur en droit, nèg qui fait maîtrise, gros autobré qui au même qu'a parlé qui fait droit constitutionnel tout bagaille. Donc nous-mêmes et en tant que parti politique, nous gain également aussi des cadres qui au même qu'a analysé contexte là, qu'a analysé texte tout ça mon écrit tout ça l'ordre d'institution écrit et en temps et lieu pas en tant que parti politique a affirmé lui-même en saloué qui bon le mot du droit mais assez souvent mais pas bien c'est bon l'évangile mais pour le moment nous dit que conférence de presse jeudi a c'est pas ça où ça le basé et nous a dit encore non dernier point nous réclamer un accord politique avant qu'il soit trop tard nous disons au président Jovenel Moïse n'a dit président Jovenel Moïse à un certain moment. Il a dit Jean-Claude Duvalier la pire que macaque. Il a dit des conseillers soufflants qui t'a mal enseigné et c'est lui qui t'a pas payé pour casser. À un certain moment président Aristide t'a couru pour contre lui et à un certain moment tout le monde songeait. Donc de toutes les façons, c'est dit président Jovenel Moïse. Paysan même j'avais nous. Président Jovenel Moïse, Louis Géo. Pas maintenant tête tout. Et pas tout ça, Abdou, pour prendre président Jovenel Moïse. Parce qu'un jour, comme président de la République, vous va trouver ou même seul. Nous te fait campagne avant, nous te fait campagne pour vous. Nous t'amènons que vous sortez en beauté dans l'histoire. On va pas dire à la politique, là, c'est pour la date là. Vous avez dit, à la politique là. Vous avez dit, qui va se parler. Nous demandons un accord politique. C'est qu'il faut que des élections, nous avons des projets d'amendement constitutionnel.
faut qu'il y ait des élections au niveau de ce pays. Tout ça qui concerne les paroles en pile, nous-mêmes nous dit, on s'y t'a parlé, on s'y t'a parlé. C'était s'y t'a parlé qui était du jour. C'est le dernier s'y t'a parlé de fait entre Dessalines, entre Trépétion et Christophe, nos héros de l'indépendance, qui te permettent que nous aboutions à 1804. Nous-mêmes, qui ça que nous réclamons, on s'y t'a parlé, il y a un accord politique entre toutes forces vives du pays. Côté petit Dessalines, côté PHTK, côté famille Lavalas, que ou quel que soit groupe côté yéote AAA et la trier Haïti journée jodia li besoin entendre toute petite li et si pour manye problème environnement Haïti menacé disparaître et sous garde de on l'a pris tomber de rat pipi dans tête monde l'hôpital pas que côté monde marché pays a sale et c'est ça que nous te dit l'année dernière dans rassemblement que nous te fait pour Tigouave dans état pays ça sale là. Dans l'état de misère, peuple ça vivre là, pas de aucune fierté là, je vous dis, pour femmes et garçons, à frapper l'estomac ou pour tous ces chefs. Il faut que nos dirigeants de ce pays, les dirigeants des partis politiques, des organisations de la société civile, les gens qui sont au pouvoir, pour y garder, pour y descendre à terre, pour y venir garder dans qui misère, peuple à vivre, pour y venir garder comment peuple va manger, dollars américains, pour y avoir dans qui niveau lié. Il y a des gens qui travaillent, ce sont des chômeurs déguisés. C'est rôle ou ça l'État, c'est rôle ou ça société civile. Jeunes filles nous ont fait une prostituée, jeunes garçons nous ont fait une prostituée, puis on a mangé un plat de manger. Ce n'est pas pour ça que nous avons fait 1804. Des dirigeants malpropres, des sans-coutières, des antinationaux. L'heure est temps pour nous prendre conscience. Ou pas qu'à fier leur sortie de masse pour être un petit pays. Lorsqu'on tient un peu partout pour être un petit pays. Ce n'est pas pour ça des salines de bataille. Ce n'est pas pour ça des bandes ça. Nous-mêmes, il faut que nous disions, continuer à dire. Mandez pour tous les dirigeants, qu'on soit parti politique qui est dans l'opposition. Qu'on soit parti politique qui est dans le pouvoir. Affirmer responsabilité. Nous. Des questions posées là, nous assurons que tout. Question ça nous-mêmes comme la presse. Nous poser les partis politiques. Qui ont même partagé pouvoir avec le président Jovenel. Ils ont été dans la rue contre le président. Ils ont un nombre de 15 qui sont en direction générale, qui sont ministère avec elle, qui sont secrétaire d'État. Leur été dans la rue et dit président, pas de bon. Et je ne veux pas partager pouvoir, il faut exprimer la position de l'étape de la rue. Vous voulez dire là? Je ne dis pas ça. Parce que vous parlez de quoi?